La loi sur la sous-traitance est une bonne chose, quoiqu'elle ait encore à être, elle doit encore être modifiée. Je pense que les autorités actuelles de l'ARSP y travaillent pour qu'elle soit effective, parce qu'encore une fois, on a une loi, bien qu'imparfaite, mais elle doit être exécutée. Or, c'est parfois dans l'exécution que, c'est souvent dans l'exécution que le bât blesse. Oui, c'est une loi qui peut protéger l'entrepreneuriat local. Parce qu'ici, nous parlons de la protection de l'entrepreneuriat local en termes de local content. Qu'est-ce que les entreprises congolaises peuvent produire? Qu'est-ce que les entreprises peuvent, congolaises peuvent activer comme service pour accéder au marché? Jusque-là, la pratique, c'est que les grandes entreprises, quand elles viennent avec leurs sous-traitants. Et donc, ce qui fait qu'elles cannibalisent toute la chaîne de valeur. Et il n'y a pas de place pour les entreprises congolaises. Les entreprises congolaises sont limitées à des actes mineurs, à des services mineurs, qui ne sont pas très rémunératrices. Les grands contrats de 5 millions de dollars par an, 10 millions de dollars par an, échappent totalement aux entreprises congolaises qui n'ont que des contrats de 100 000, 200 000, 300 000 dollars par an. C'est pas assez, à mon sens. Il faut permettre aux entreprises congolaises d'accéder à des gros marchés, à des gros contrats. Et pour cela, il faut les protéger par une loi. Comme elle a existé en Afrique du Sud avec la Black Economic Empowerment, comme elle a existé dans d'autres pays comme la France, on a longtemps parlé de la discrimination positive. Je crois que l'entreprise congolaise, aussi pour permettre de décoller, a besoin de cette protection-là. Aujourd'hui, les entreprises étrangères souvent se disent PME, mais quand elles viennent ici en sous-traitance, c'est pas normal. Je ne vais pas citer des noms, mais vous avez de grandes entreprises. Si je prends dans le domaine de la publicité, par exemple, vous avez de grandes entreprises de renommée internationale, mais quand elles arrivent ici au Congo, elles sous-traitent, alors que ces entreprises ne devraient pas entrer en sous-traitance parce que ce sont des multinationales. Et donc, les entreprises congolaises dans le secteur de la publicité ne peuvent pas lutter contre celles-là. Vous avez des entreprises qui aujourd'hui se déguisent. Elles viennent pour gagner des marchés, alors que la loi dit 51% des parts doivent appartenir à des Congolais. Elles dissimulent des actions qu'elles donnent entre guillemets à des entrepreneurs congolais, mais qui ne sont pas en fait propriétaires de ces sociétés-là. Et c'est là que on se pose la question pourquoi. Il y a eu ce décret pris par le Premier ministre Tshibala, alors que la loi était stricte au départ, disant qu'il fallait des entreprises à capitaux 100% congolais avec des promoteurs congolais. On aurait pu évoluer, Dubaï l'a fait. C'était d'abord des entreprises 100% détenues par des capitaux émiratis, et puis ça a évolué et ça a baissé jusqu'à aujourd'hui. On est à 50%, mais c'est parti de 100%, on est passé à 70%, on est passé à 80%, 70%, et puis on est arrivé à cela. Nous pensons qu'il aurait fallu qu'il y ait cette évolution-là. Mais tel n'a pas été le cas. Donc nous demandons vraiment au ministre des PME qui a la tutelle de la RSP de veiller à ce que les entreprises congolaises soient vraiment protégées dans l'attribution des marchés de sous-traitance.